Val, qui était, puisque Val avec campagne là, tout profiter, saluer monde, c'est Michel de la Dalaï. Captain de la sur Radio Salem. Radio Salem, c'est yeah. ça. Donc, je vais tout annoncer que très bientôt. N'est-ce pas, ma paye Saint-Michel? Ouais. Déjà bienvenue. Merci. Mm. Et campagne, vous connaissez, vous passez vous la carrière déjà. Oui, vous retournez. Oui. Vous êtes dans la campagne? Dans l'Aska, au bas, c'est dans le bas plateau et dans le haut plateau. Mais puisque je fais tout le bas plateau à net, on demande, donc ma paye. Et ma paye vraiment remercier tout le monde plateau central. Puisque nous avons fait 3 jours. Dans le plateau, mais particulièrement au plateau, avec tout le monde. Mon cher, c'était extraordinaire, accueil là, dans la section communale. Nous dans la localité qui est Mamou, deuxième section communale, Inch. C'était un accueil exceptionnel, qu'on a besoin. Mon section, ça l'a quand même, mon voilà. Pôle. Voilà. Donc, c'était un paysan qu'on recevait Mamou. Donc, vraiment, c'était un accueil exceptionnel que nous déjouons. Dans un paysan yo nan et au plateau wa. Donc c'est une nouvelle passion que moi développé et marcher dans pays ya, parler avec moun yo et essayer comprendre travailler sur l'idée que nous capable construire en Haïti et à la dimension de sa glorieuse histoire et forme d'où que c'est une parole qui a fait chemin et il y a pile moun qui embarqué. Mais vraiment, en pile merci, en pile merci et pour mon département centre. Très bien. Maintenant, souci cap contré, votre expérience de pouvoir, et est-ce que vous considérez le jeudi hein, comme une grande déception parce que pendant ou sous pouvoir, président républicain est assassiné? Bon, en tout cas, et moi, je connais, moi, fais statistiques, moi, étudie statistiques, et donc, on fait un peu de probabilité, d'autant que m'enseigner probabilité, et dans l'université, aux États-Unis. Donc, alors, ça, moi, il est un événement qui est rare. Les un événement aussi rare comme ça, donc, capacité pour, même sous perspicace dans la politique, mais capacité pour prévoir, et événement ça même pour entrer dans l'équation li extrêmement difficile donc qui vient fait que moi-même moi pas dire me penser que yo te gato un président et dans pays à voir cependant que moi-même moi était premier ministre en fonction que président mouri donc ça veut dire que c'est une déception c'est une surprise totale. C'est ça qui fait ou pas loin que mon pas un comportement ça. Alors, on peut remarquer que malgré ces événements, j'aime dire qui est extrêmement rare dans l'histoire pays, d'ailleurs dans 100 dernières années là qui se passe là, non pas rien un événement comme ça qui passé. Donc ouais capacité pour prévoir un événement comme ça et mais probabilité est extrêmement presque nulle, zéro. Donc mais et ou après tout de suite que événement fin fait là. Et c'est grâce avec leadership moins que en pile mon dans pays à reconnaître de monde qui est vraiment gain de capacité d'analyse d'a capable dire qui très fin n'est-ce pas et même on voit que mon ça yo reconnaître que si c'est pas de leadership que moi t'ai exercé après assassinat dans nuit 6 ou 7 juillet et ben nous t'a sombré puis il t'a sombré dans le chaos total donc moi t'ai fait tout ça me capable pour me éviter ça. Et mais on voit évidemment, ouais, par exemple, en gestion de crise politique, leader a dû montrer que, en principe, psychologiquement, il y a contrôle toute situation. Donc, on pourrait tout de suite que nos films barrés, par exemple, côté mercenaire, on va le passer. On dit que, on fait une note qui était dans la presse. Qui dit que tout est sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Et c'est ce tout est sous contrôle et façon que me camper dans joie et dans trop de l'autre jour à venir qui fait que nous va sombrer dans le chaos. Donc moi j'en connais hein? C'est son répétition nous arrêter colombien bon valet là-dedans nous déployer tout effort. Nous mettons pression sur la police nationale là, mais particulièrement sur le directeur général d'alors. Nous mettons pile pression sur lui
pour nous être capable bail résultat nous te bail et dans ma terre parce que bon, effectivement c'est une surprise mais l'idéal il doit montrer que il a une capacité pour les gérer situation qui passée. Okay. Et Claude, et on dit c'est en statistique on a dit comme professeur on dit bon c'est un événement rare. Ouais. Mais finalement après évidemment ça permet que ou ensemble des réflexions qu'on fait. Ouais. Et de réflexion certainement qui a rapport avec organisation pays. Mm-hmm. Et on a même discuté sur sécurité pays. Mm-hmm. La conclusion réflexion. On a quand même dit ça sous ta gon hypothèse qu'on t'a émettre qui ça lié après toute réflexion. Bon, même ça me capable de dire c'est le constat que me dit toujours Felem de chef CSPN. Que me recommandé à plusieurs reprises et c'est que structure de sécurité est extrêmement faible. Leadership la police là d'alors c'est ton leadership qui t'est laissé à désirer. Même là je parle de du directeur général qui c'est Léon Charles. Moi pas trouvé que Léon Charles ait un contrôle trop li. Et c'est-à-dire on fait pas de ça que président Jovenel Moïse plusieurs fois pour me dire. Et malgré que effectivement Léon a une volonté et me dit ouais elle a une volonté mais elle pas de contrôle trop li. Et m'a bon exemple clair exemple Matissan et moi même avec président Jovenel Moïse ça dès qu'on a fait discussion ça. Mm-hmm. Pour qui ça par exemple deux groupes bandits à Gomain mais et gain bandi qui a quitté zone yo et puis zone dans vinou no man's land. Pour que ça la police pas prendre zone là lui même. Ça veut dire que on nous dit village de Dieu on va qu'on ça bata avec et Grand Ravine. Mm-hmm. Grand Ravine ou bien en lait. Mm-hmm. En lait à côté et l'autre bandit Tibois. Mm-hmm. Maintenant si youn fait l'autre courir pour que ça la police pas prendre ça c'est des réflexions que me fait dans CSPN parce qu'on vient no man's land. Maintenant qu'on y a 600 no man's land, il y a pas monde qui vient mettre lui là donc la police prend parce que c'est nous qui gagnent souvelé monopole violence légitime. C'est l'état de guerre en tout cas. C'est l'état de guerre. Maintenant l'autre bail on va le faire avec CSPN non? Et on va le tester sous les capacités. Le Matissan est dans situation de connaît hein. Moi m'a demandé pour mal Matissan. Et même m'a demandé pour mal Matissan, il y a un pile monde qui pas comprendre totalement et ce geste par exemple. Moi de mal Matissan moi qu'on est pour mal Matissan la police a pas le déployer ça veut dire que pas une mobilisation de la police. Mm-hmm. Pour premier ministre passer Matissan moi effectivement mal Matissan me donner après ça moi dit moi son premier ministre mal Matissan m'aller me donner parce que citoyen lambda l'aime fin sous Matissan il pas passer donc on dirait que en Haïti ce sont pratiques. Mm-hmm. Que on ta capable dit toute disposition prend pour chef yo ça veut dire que au grand la police qui c'est une police des chefs. Mm-hmm. Mais pas une police pour les citoyens lambda. Mm-hmm. Ça cap traverser Matissan Fontamara chaque jour. Mm-hmm. Donc ça veut dire que moi même tout au moins me tiré leçon ça et me fait part de ça président me dit président écoutez un mal Matissan pour plusieurs raisons pour moi qui toute disposition nèg prend pour permettre que moi même aller. Mm-hmm. Mais deuxièmement pour me garder tout qui valeur et menti mon yo ou gen droit lorsqu'on chef CSP nous va jamais descendre à terre. Mm-hmm. Alors moi même moi t'ai vlé comme si me t'ai capable tout gen moi dit non on pas supposé aller etc. mais sinon m'd'a toujours été dans primature hein? Et puis pendant CSP non et nèg a menti. Mm-hmm. Vraiment son espace de mensonge c'est-à-dire que son un lieu côté que le premier ministre s'ils sont premier ministre qui était en les net donc il y a de toute bagaille pas de problème Matissan c'est tel bagaille mais en réalité il y a un problème parce que les m'a passé moi gagner mon atea toujours. Mm-hmm. Machine chaviré atea toujours. Mm-hmm. Donc moi même développer ça avec yeux pam ce que effectivement moi tu vois. Mm-hmm. C'est dire que pour montrer que situation il était extrêmement difficile. Mm-hmm. Maintenant surtout les insécurités sont insécurité qui se coupe régler ça veut dire que qui gagne des ramifications politiques. Mm-hmm. Et à ce moment c'était deux moments effectivement mon yo tape frappé président sérieusement
et yoté utiliser insécurité pour te faire des chantages. Évidemment, gain là-dedans tout que tu connais que le président va mourir, donc c'est déstabiliser totalement. Mm-hmm. Donc fait le focus sur de l'autre bagaille. Ouais, donc là je pense que moi-même c'est une totale déception avec la direction de la police nationale d'alors, on est capable de leadership là, t'es vraiment laissé à désirer. Et là encore, on va gagner et pour moi vous et fleur pour ce leadership, parce que c'est sous leadership ça effectivement que on gagne un président qui est assassiné. Mm-hmm. Donc c'est à dire que pour moi-même, leadership et police nationale là, avec Léon Charles en tête li, c'était un leadership qui était vraiment pas de bon. Catastrophique. Mm-hmm. Mais PM, écoutez, aussi ancien chef CSPN, mm-hmm. sa question m'a posé là, donc, pas un technicien de la police, mm-hmm. mais pour avoir été chef du CSPN, mm-hmm. ou réfléchir mm-hmm. avec des spécialistes, il y a des questions posées. Au fond, constable, ouais, que la police, ça, c'est la police des autorités. Et des autorités replacées, s'il vous plaît. Mm-hmm. Parce que c'est pas comme ça pour mon casek, parce qu'on casek, on va avec son autorité, on va avec sa communale, tout ce, c'est des autorités. Maintenant, est-ce que, et nous avons dit, effectif la police, ça permet de gronder pour avoir en permanence, nous avons dit dans une zone qui pour permettre que vous zone. Non, du tout pas, du tout pas. Là, moi-même, je suis d'accord avec la question, et je me suis posé réponse à la question. Et effectivement, et au grand la police qui est en petit nombre, mm-hmm. C'est-à-dire que au grand 27,750, n'est-ce pas? Faut nous corriger, mais c'est pas ça. Oui, non, mais la descente, n'importe quel mais même si on oublie, parce que y a pas plus fort. Y a une quantité au grand. La plus fort, mais au grand bout de bas là. Donc République Dominicaine, vous les prenez, on va le là. La vingt sur ça, ça. Mais 250 kilomètres carrés, oui. Donc ou bien moins que 10 000 personnes, et nous sommes capables de dire de façon active, n'est-ce pas, dans mm-hmm. la police. Là. Et moins que 10 000 personnes. Et la quantité, c'était 15 000, 16 000. Mm-hmm. Mais l'on considère de monde qui parle encore. Qui est détaché, ça qui est évidemment. Donc, ou bien moins que 10 000 personnes pour une superficie d'environ 28 000 km². Donc, et effectivement, il y a un problème qui pose. Et l'armée, ya, et son armée à l'état embryonnaire. C'est-à-dire que y a l'armée qui gagne, je dis, à 500 personnes. Donc, vous comprenez que la police, a, avec l'armée à l'état embryonnaire, ça n'a pas qu'à assurer la sécurité territoriale. D'autant que vous gagnez un phénomène de gang qui s'est également gagné en pile ramification politique. Des politiciens, de hommes d'affaires, qui sont capables de dire qu'il y a un gang payo, qui a un gang payo. Et c'est ça que moi-même, j'ai toujours organisé des CSPN élargis avec des gens dans le secteur privé pour aider nous comprendre, pour aider nous travailler ce phénomène-là. Et parce que j'ai un peu conscient et j'ai capable de dire des phénomènes d'insécurité. Et pendant, pas oublier que une raison qui fait jouer d'aller, c'est encore question insécurité. On vient de démissionner pour convenance personnelle, mais nous connaissons que là il est contraire. Là, et bon, ça je ne sais pas parce que moi-même on connaît l'idée, c'est pour convenance personnelle. Donc on prend ça, mais effectivement, c'est sous le phénomène village de Dieu avec des policiers qui assassinés. Non, j'ai non côté connaît. C'est-à-dire que c'est un problème qui est extrêmement complexe et phénomène d'insécurité. Hein? Et c'est pour nous toucher dans le pays d'Haïti. Maintenant, on retourne dans la question parce que vous avez expliqué que après l'assassinat de président Jovenel Moïse, pour me faire suite à la question, non? Jodian, puis nous remarquons que vous portez la bataille de Jovenel Moïse et vous faites de principal monde qui a défendu Jovenel Moïse du bec et des ongles pour jeune justice, que ce soit sur le plan national et international. Et est-ce que vous n'êtes pas découragé et qui j'ai en relation avec l'ancienne première dame, non, madame Martine Moïse? Bon, écoutez, moi, je crois que le premier monde qui vraiment voulait, catégorie de monde qui voulait justice pour le président Jovenel Moïse,
c'est famille donc première dame non petit garçon lui petite fille etc donc y a une place et de premier rang pour moi-même dans ça qui vient à ouais avec demande de justice pas oublier que première dame non lui porter plainte formellement contre Ariel Henry qui lui-même c'est une un suspect important dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il ne faut pas oublier ça. Et pour les gens qui ont tendance à oublier que la première dame, l'ancienne première dame, l'a porté plainte pour un premier ministre qui l'a, qui est en fonction. Ça, ce n'est pas, c'est pas une mince affaire. Hein. Donc, oui, et c'est pour moi-même une question de demande de justice pour le président Jovenel Moïse est important. Parce que le président Jovenel Moïse t'a placé toute confiance en moi, confiance en moi, et moi-même, moi, t'ai balé toute loyauté moi. Et en plus de ça, c'est une responsabilité pour moi-même, à la fois citoyenne et politique, parce que vous n'avez pas assassiné un président comme ça. Et moi-même, moi, ma dernière monicurité, même si tout le monde a découragé, pour demander justice, et moi-même, moi, très optimiste que on a besoin de justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que ça qui est évident, je dis, c'est que l'assassin est là. La justice américaine gagne au Kembe, gagne parler, gagne cap parler. Et moi pensais que l'arrestation de John Joel Joseph c'est un gros coup. Moi pensais que l'arrestation ou bien de l'autre monde important. Et moi-même par exemple, t'es un homme d'affaires qui a traversé la Turquie que me de faire arrêter c'est Sami Randall. Et effectivement, le gouvernement ça a en pile complicité. Pour ne pas quitter Sami Randall et venir ou bien pour libérer. Parce que tout document que la Turquie voyait, mandé gouvernement, ça, il n'y a pas aller. Ou bien ça, il n'y a aller, c'est de bagaille pour permettre. C'est comme si on code dans le document pour permettre que vous libérez Sami Randall. Pas parce que moi, j'ai un problème avec Sami Randall, parce que je ne sais pas mais tout simplement, et c'est un monde qui est indexé dans le rapport et de CPJA. Et donc, ça, yo, pour moi-même, c'est extrêmement important. Mais nous sommes capables de constater également, et ça, nous répétons plusieurs fois, nous sommes capables de constater également que pas gain aucun effort qu'a fait pour président Jovenel Moïse jeune justice. On dirait qu'il y a un gouvernement là, ça qui dénominateur commun et gouvernement qu'il a, c'est que moun yo entendu sur assassinat. Donc si gain un dénominateur commun dans ce gouvernement, on dirait des complotistes, n'est-ce pas, des assassins et qui yo entendu. Ouais, yo entendu que yo sous l'amour Jovenel Moïse par exemple li étonnant pour youn parti président Jovenel Moïse ou bien parti président Jovenel Moïse allé sous l'IA qui c'est PHTK yo comporté comme ça alors pendant le PHTK bon vous pouvez poser une question ça maintenant puisque c'est PHTK qui bail président Jovenel Moïse maintenant mentor li et il y a quelqu'un qui est le parrain, moi je ne sais pas. Et c'était Michel Martelly, qui menait dans le PHTK, mais il est le président, je veux dire. Et qui relation avec le président Michel Martelly? Et en fait, il y a un ensemble de gens qui ont questionné comme si tu as un clash, une forme de haine de PHTK contre tout, ou bien ou même contre PHTK. Quel est le problème dans yé, et qui relation avec le président Michel Martelly? Bon, d'abord, moi, c'est seul et je suis capable de dire, bien presque seul, et premier ministre ou bien ministre des Affaires étrangères, premier ministre qui, c'est pas de Pellerin qui t'a choisi, c'est pas de Martelly qui t'a choisi, ben Jovenel Moïse. Et moi, c'est seul premier ministre qui n'a jamais Alcaï Martelly, c'est-à-dire qui parle Alcaï Martelly pour me faire une bonne grâce. Li. Moi, j'étais premier ministre tout simplement pour travailler dans le gouvernement, et président Jovenel Moïse, je suis au monde, il était et on pas qu'on écouter Hensa sorti même capable d'ou depuis mon gouvernement côté Jovenel là depuis moi premier ministre moi connais que les dirigeants du PHTK et bien particulièrement souvle mon qui dans pipi au niveau yo pas jamais apprécié yo pas apprécié parce que évidemment moi-même beaucoup de président Jovenel Moïse m'était représenté on l'autre idée on l'autre alternative donc et moi songe président Jovenel Moïse invité à une réunion qui était gagné effectivement Michel Martelly et c'était un zoom et avec un autre monde que je n'ai pas besoin de citer non là et c'était nous quatre qui étaient dans la réunion mais là m'apparaît président Jovenel Moïse dit
Et écoutez, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui est là, c'est mon petit frère. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je l'ai présenté. Et après ça, M. Boal dit, je me connais pas vraiment, on a un pour moi présenté pour accepter. Donc, effectivement, et puis là, je participe dans la réunion. Mais moi, je n'ai pas aucune haine et contre et Michel Martelly. Et en soi, c'est un ancien président de la République. C'est lui-même qui a choisi le président Jovenel Moïse, etc. Et donc, je n'ai pas aucune haine. Évidemment, et moi-même, le président vient de mourir. Et moi, j'ai commencé à comprendre une série de bagailles. Tout de suite, le président vient de mourir. Et puis, c'est PHTK, mais Liné Balthazar, qui dit qu'il va aller à l'élection avec Claude Joseph. Il va aller à l'élection avec Claude Joseph. Pour qui ça? Parce que, un, moi-même, si je suis organisé l'élection, et il n'y a pas d'avoir l'élection pour un petit groupe qui nous prend, et fait d'appui en soli. Il n'y a pas l'élection côté monde qui gagne. Et pas d'avoir gagné, et question l'État que tu n'as pas utilisé, nous sommes capables de dire l'argent de l'État pour un groupe qui fait l'élection contre un autre groupe. Donc, moi-même, et dans ce sens-là, mon premier ministre, que yo pa gen contrôle son premier ministre pour combattre. Ou pas j'ai parlé avec président Michel Martelly après la mort Jovenel Moïse que nous t'a échangé le tarelo du PM Claude donc voilà président assassiné donc pas gen conversation entre écoutez, Michel Martelly. Écoutez moi même c'est ça autour du assassinat non. Oui et bon évidemment on peut remarquer que après assassinat et, les dirigeants et de ce parti politique ils ont été choisis et n'est-ce pas fait silence, ils ont été choisis fait silence. Et non seulement on fait silence, ils voulaient même contraindre les gens à faire silence. Et d'autant que n'importe qui qui parle pour justice pour le président Jovenel Moïse, ils viennent aux ennemis. Et c'est ça que je ne comprends pas vraiment. Un parti politique, c'est où vous voyez le président Jovenel Moïse. Et n'importe qui qui demande justice pour le président Jovenel Moïse, ils sont ennemis. Donc ça, c'est un problème. Et là, moi-même, je peux permettre de me féliciter quelques membres de PHTK que j'ai rencontrés dans tout le pays, et pendant que je fais tourner ça, qui sont même frustrés par rapport avec l'équipe dirigeante de PHTK, pour façon même que ils gèrent la question de la mort et Jovenel Moïse. Donc, je rencontre avec eux, je parle avec eux, ils sont frustrés de dirigeants, ils ont estimé que ils n'ont pas supposé traiter le président Jovenel Moïse comme ça. Et moi, je et tout le monde d'accord que non, le parti politique, ça n'a pas de traiter la question de la morale. Un, il est absent dans l'enterrement, il est absent, totalement absent. Oui, mais et ça se comprend. Est-ce que vous êtes Cavini? Comment? Est-ce que vous êtes Cavini? Bon, mais parce que dans l'époque de l'enterrement, il n'y a pas de question de parraine qui t'a parlé. Vous comprenez? Est-ce que c'est une culpabilité, une question de conscience, etc.? Mais pas de gagner une question ça à qui d'a parlé. Donc, nous avons trouvé que c'était vraiment bizarre que Patia, ou bien le dirigeant de Patia, ni Liné Balthazar, ni Michel Martelly, n'ont pas de présence. C'était grave. Mais d'autant que moi, j'ai remarqué également que Liné Balthazar était venu au mandat d'elle. Et pour, nous sommes capables de dire, implication présumée, lui-même tout, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et coïncidence à Walfe Mgobran, ce n'est pas sans raison que Liné Balthazar te dit qu'il va avoir une élection avec. Parce que non. Mais il a levé mandat. Parce que ici, il y a un accord, on est bout d'un accord, tout le mandat tombé. Bon, et c'est un gouvernement, moi je dis, qui est composé en général, il y a des gens qui parlent là-dedans. Par exemple, il y a des gens qui ne parlent pas parler d'assassinat. Mais en bien pour qui s'y est à quoi, qui c'est de véritable monde qui a une complicité ou bien est présumé dans la mort de Jovenel Moïse. Par exemple, tout le Liné Balthazar qui a mandaté elle, Ariel Henry a chita avec lui. Ariel Henry Grille, par exemple, commissaire gouvernement ou bien ministre de justice là, pour les questionner sur le questionnement mandat contre Liné Balthazar. Donc, c'est-à-dire que c'est son gros complot. Et c'est pas un jouet de question ça y est. Mais tôt ou tard, ça qui est arrivé, c'est que bon, nous ne savons pas le constituer effectivement, fait, mettre tout ça au rien de yon pour de monde pas jamais en position, n'est-ce pas, pour être capable d'essayer de faire justice à marcher. Mais la voix, et voix peuple là, et c'est voix bon Dieu. Donc c'est pas eux même qui vient pour décider, même si on peut aujourd'hui gagner en pile. Petite manœuvre qu'a faite pour ne pas faire élection.
Ariel Henry met un groupement de qui groupe là dit que Ariel Henry là pour 7 février 2024 mais c'est 7 février 2024 là et vous connaissez non et vous connaissez peut-être les cala longtemps donc c'est grave c'est bon en tout cas m'a regardé vidéo mais ça fait mieux quand même parce que du mandat ça fini et même là encore ça va le dépendre mais yo tout dit tout alors même on a dit que mon dire qu'on bloque pays yo en dedans oui 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 c'est vrai ça veut dire vrai. Pas payer pas bloquer c'est un frustré vinn jeune yo oui oui c'est vrai c'est alors gain en vérité dans ça que yo dit a Ariel Henry est arrivé et nous sommes capables de dire satisfait oligarque et qui ont même tagué pour eux dans l'amour Jovenel Moïse. Il satisfait les politiciens traditionnels qui ont même tout, même si ils n'ont pas participé, mais bon débarras ouais, avec le président Jovenel Moïse. Donc Ariel Henry arrivé, on est capable de dire qu'il y a toute une dispositif que le mettait en place pour protéger et Ariel Henry. Et c'est pas sans raison qui fait même groupe qui en face Ariel Henry qui a posé problème d'accord ou bien pour Chita. Question Jovenel Moïse a pas en priorité pour eux. Et là m'a parlé d'un premier ministre qui définitivement c'est une suspect. D'après le rapport de CPJA, d'après les rapports de RNDDH, etc. Donc, c'est une suspense. Hein? Et là, moi, président Jovenel Moïse, c'est des mondes avant parler là. Donc, c'est comme si, même moi, ça me capable de dire, moi, je connais le fait de haut et de bas. Donc, assassin, il y a un temps par eux. Et moun kap chache justice yo a gen tan pa yo. Alors docteur Claude Joseph, m senti nan voix ou et m pa konnen si c'est calme, mais m senti en même temps et gon forme de bon par contre si ça me pense c'est ça. Ou bien me questionner. Est-ce que quantité moun ki t'a dit Premier ministre Claude Joseph fait faute, li fait erreur grave le fait que le remettre pouvoir ba Ariel Henry. Est-ce qu'on gen de regret parce qu'on remet le pouvoir à Ariel Henry, et au sens où tu as pris le pouvoir, ou qu'il y ait le nom, faut-il partager avec nous? Et de nous comprendre. Mon cher, bon, mais de comprendre. Moi, je pense que j'ai un ensemble de monde qui devait me gagner le pouvoir pour petit intérêt personnel. Pour intérêt mesquin, mais pas pour le pays. Moi, je ne suis pas à l'aise dans un conflit de pouvoir avec Ariel Henry pour plusieurs raisons. Loyauté avec le président Jovenel Moïse. Ariel Henry, c'était la dernière volonté du président Moïse. Okay. C'était la dernière volonté du président Moïse parce que est-ce que question moi pose Kounia là est-ce que monsieur va bon arrêter qui était dans oui évidemment donc c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse et à ce moment pas oublier on pas de connaît peut-être la police certains dirigeants de la police ça était connaît que Ariel était parlé avec Badjo moi pas de connaît ça on pas de connaît implication présumée n'est-ce pas Ariel Henry dans la mort Jovenel Moïse. Je dis, sans information, ça y est. Toutes choses étant égales par ailleurs, sans information, ça y est, je vais remettre Ariel Henry pour voir encore. Et je n'ai aucun regret, comme un jeune garçon de 44 ans, qui a gagné fougli toute énergie, je pense que ça, c'est parti pour le ministre. C'est-à-dire que pouvoir pour gagner, c'est bataille pour bataille, c'est avec évidemment un pile éthique, n'est-ce pas? Moi, je pense que moi, éviter, c'est un sens d'abnégation, un esprit d'abnégation, moi, éviter à PIA une autre crise politique. Là, moi, remettre Ariel Henry pouvoir. Et parce que moi, pensais que c'était le meilleur choix. Moi, je ne regrette rien du tout. Okay. Moi, seulement regrette que. Moi, je connais que Gemoun, qui te connaît que Ariel Henry, c'est un présumé assassin Jovenel Moïse. Moi-même, c'est le dernier monde qui connaît ça, Mbajam connaît ça. Moi, toujours reproché, on est dans Léon Charles. Je dis, je suis certain, et information qui disposait jeune moi, que Léon a commencé à gagner de bonnes pistes que Ariel, c'est un homme qui parlait avec et Badjo. Mais moi, je ne connais pas ça. Chaque fois que je chasse pas là avec Léon, jusqu'à jeudi, je dis, monsieur, je reproche ça. Parce que vous connaissez que monsieur n'est pas là avec Badjo, vous connaissez que, évidemment, jour soir, tout ce qui passait, 6-7 juillet,
côté Ariel Henry Teye, qui est-ce qui était well, etc. Nous te connais ça, nous m'a dit moi-même. Donc nous quittons dans le noir, ça veut dire que il y a des choses que je ne connais pas. Est-ce qu'il ne connaît pas aussi tard tant que vous-même, pour lui-même? Comment? Est-ce qu'il ne connaît pas lui-même pour, dans même sorte où voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas de information à temps, ou bien il dit qu'il n'y a pas de la certitude que Ariel Henry t'a impliqué dans le là. Moi pense que effectivement on pas capable de laguer de bagages sous lit, il devrait avoir gagné aussi tard par exemple tentative que la police nationale pourra le faire ça, bon évidemment on bat pour le ministre encore, mais tentative que la police pourra le faire par exemple pour arrêter Badjo la caille pour le ministre, il y a un pile nèg dans la police qui connaît les fuitel tout hein, yo fuitel au point que premier ministre vient connaît le fait Badjo pas fait rencontre là juste ça. Attends, reprend c'est ton quoi, c'est sérieux? Badjo te caille premier ministre Ariel Henry, non et la police fois, plusieurs fois t'as pas l'arrêté et que fois. C'est vrai ou confirmé information ça? C'est confirmé, bon c'est confirmé parce que là m'a parlé c'est un homme d'état et c'est pas un citoyen lambda. C'est confirmé que la police t'a pas arrêté Badjo la caille premier ministre. John-Joseph Patla joue ça, non? Non, John-Joseph Patla, c'était Badjo. C'est une énième rencontre. Pendant le premier ministre ou bien avant le grand fonction? Non, pendant le premier ministre. D'autant que pendant le premier ministre... Pendant qu'il cherchait Badjo? Évidemment, pendant que Badjo a mandat d'amener contre lui. Évidemment. Donc et ceci pour me dire que ça, c'est pour me dire que question élan et l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est pas... C'est vraiment un network, son réseau. Son réseau et de criminels, mais pour la plupart de criminels avait sa costume, mais qui croit que il est capable de dévier, faire obstruction à la justice et ou bien gagner cause. Moi-même, moi pensais que c'est une victoire provisoire parce que Jean Odia défaite la justice ou bien du droit est toujours provisoire. Mais excusez, mais pas un problème. Par exemple, là où vous remarquez que Léon Charles, il avait des informations pertinentes ou bien informations qui étaient très utiles. Et puis, un problème leadership. Et vous mettez en question, ou pas mettez en question volonté, mais mettez en question leadership. Ouais. Mais ça qui est passé, il faut accepter de nommer la OEA. Bon, et est-ce que c'était sous pression ou volontairement? Non, alors et moi-même, bon, c'est pas oublier que c'est premier ministre. C'était deal. Alors m'a dit deal ça depuis qu'il était. Deal ça, c'est à la fois avec président Jovenel Moïse et ensuite avec Ariel. Et les Ariel m'ont dit Léon pour démissionner et Léon dit que mais ça et Jovenel Moïse était deal. Et puis Ariel Henry dit nommer monsieur Naoya, retourner monsieur Naoya, pas oublier que monsieur pas nommé Naoya. Toutes les monsieur et dans police là, la police là, okay. Comme directeur va jamais toucher comme directeur. Il est toujours ambassadeur Naoya parce que c'est une forme de détachement ou oui, c'est une forme de détachement, il toujours pour retourner Naoya. Mon qui dit que monsieur nommé Naoya, il a pas gain bonne information, c'est retourner d'ailleurs. Moi, je suis mis dans l'OEA un chargé d'affaires, un représentant adjoint. Parce que c'est Léon qui était toujours dans l'OEA, même s'il était dans la police. Là. Ah. Donc maintenant, Lelvin, je dis là avec le Premier ministre Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry m'a demandé pour Léon retourner. Donc c'est un deal qui joue avec Ariel Henry. Parce que Ariel Henry, pour Lelvin, gagner de monde tant coup privé par exemple et de l'autre monde qui pour le bali un chef police par exemple, donc il pour un chef ça police. C'est une autre information confirmée, donc c'est président privé qui mettait France LB comme directeur alors, général de la police. Alors écoutez, le pouvoir c'est un pouvoir partagé entre Michel Martelly et privé et les autres. Et Privert, c'est un candidat à la présidence. Michel Martelly est un candidat à la présidence et potentiellement en conflit pour cette séparation de pouvoir. Parce que Ariel Henry lui-même, il est pris entre ces feux. C'est-à-dire, ou bien Privert en bord, ou bien Michel Martelly en bord. Et qui est confortable. Et tout le monde, c'est des gens qui sont très confortables avec l'amour Jovenel Moïse. Et peut-être parce que
Et chaque pensée, si c'est des Jovenel Moïse, ils organisent l'élection, et c'est pas eux qui tapent là. Mm-hmm. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour me dire que Léon pral, il retourne dans l'OEA sous l'ordre premier ministre, qui lui-même, c'est un bon débarras peut-être pour Léon, parce que Léon, c'est pas l'homme idéal. Mm-hmm. Ouais. Et moi, je crois tout que l'homme fin assisté avec le premier ministre qui était descendu dans Simoa et en bas la ville là, en bas dans Delma, et débarrasser de Léon, c'est un bon choix également. Parce que le premier ministre arrive dans Simoa, Léon est sans soldat, Léon est seul dans la police. Et du coup, Léon qui descend, le chef de la police qui descend à pied avec quelques amis à Vel. Donc, c'était une bonne décision de demander à Léon de démissionner pour moi-même. Ouais, donc faut que nous montions. Hein, parce que. Lucide, en tout cas. Hein? Lucide. Il a failli à sa faut lucide, faut qu'on très objectif. C'est-à-dire que Léon ne peut. Léon n'est pas capable encore. Léon n'est pas capable, il n'a pas de leadership. Ou du moins, qu'il est boycotté dans la police. Et je ne sais pas où est qui ça, Léon, tu as continué à faire dans la police. Mais ça qui fait le capable dans l'OEA depuis le l'OEA, ça. Ça qui passe. C'est parce que c'est diplomatie ça fait le capable dans l'OEA parce que pour arriver dans la police il y a un leadership c'est vrai que peut-être qu'il doit avoir côté quelque part mais ça qui implanté dans l'OEA pendant toute année ça donc ça le régler comme le ministre affaires étrangères Léon et contrairement à ça mon d'accord c'est un bon diplomate et c'est quelqu'un qui est très fin son politique et son bon diplomate et il entretient de très bonnes relations avec les autres et avec les ambassadeurs, avec pas bien que OEA sont multilatérales, sont petit espace et effectivement moi-même l'homme des ministres affaires étrangères, moi j'ai entretenu de très bonnes relations avec Léon. Et maintenant la police nationale là, moi pas quoi que c'était un bon choix, ouais. Mais Léon c'est un bon diplomate. Mais écoutez, comment ça fait arriver que président de la République, ah oui, mais pas le président, le président Soli, chef de l'État, et il est arrivé, comploté, assassiné facilement. Bon, on dit que assassinat, planification assassinat est facile. Et que il n'y a pas aucun information qui dit président joue à déplacer. Comment on va dire ça? Bon, premier bagage pour me poser tête, moi, pour qui ça, et Léon, pas à l'heure, le président Rélil, c'est important. Et moi, il faut nous questionner ça. Et pour qui ça, et Léon, pas à l'heure, pour qui ça, et Léon, pas Rélil, par exemple, même s'il n'est pas arrivé lui-même, pour qui ça, il n'est pas Rélil, commissariat Pipréa. Pétionville. Moi, je n'ai pas de chance de parler avec le président, pas oublier que les ça, moi, je suis en train de mettre faute de véhicule, moi, et. Président pas t'ap trouvé moi-même important pour le relais parce que m'a pas gagné et de capacité mais il relais Léon il relais de l'autre monde il relais Dimitri par exemple il relais Dimitri donc pour que ça pas arrivé maintenant ça va le dire que moi dit Léon suspect son suspect non m'a dit ça mais moi-même je questionne cette attitude ce comportement et c'est un comportement même à questionner ouais et ça pas le dire encore il y a son problème de leadership. C'est pas le dit que et que et Léon et moi-même moi crois que et même Jacques moi-même qui était premier ministre moi crois que Léon et gagne un pile bagarre pour dire à la justice et pour qui ça parce que son président qui mourit. Son président mouri, il a trouvé que c'est une amende de relais, il arrive très tard. Et Dimitri, par exemple. Qui était dit CDEA, c'est. Pourquoi le directeur général n'a pas parlé avec Dimitri? Il dit non, alors, non, il n'y a pas besoin de venir, donc c'est DEA. Alors, ça m'a dit là, c'est que Babli, moi-même, moi je viens de support, moi je viens de support Léon. Dans un moment difficile, ça y est. Léon est capable de dire. Tout de suite, monsieur apprend que le président a mouru, c'est moi-même, Livin Bay, renfort, vini, parce que peut-être pas. Donc ça veut dire que je suis pour lui. Tout matin que moi fais, par exemple, en la caille, moi avec tous les ministres, Léon, chaque fois la déplacé
les dîmes l'ont déplacé. Et là, par exemple, il arrive dans des espaces, il va prendre des décisions. Les moi dit monsieur bon écoute c'est chef la police ou en décision passé ça veut dire que moi quoi que monsieur te ban moi tout support et dans moment d'ailleurs sans support monsieur nous pas arriver arrêter et monsieur c'était calme me trouver que t'es calme la police etc. Donc mais et moi même moi pensais que et faut que il y ait des bagages qui clair qui dit et moi commencer à questionner de comportement et parce que tout simplement m'a regardé attitude rapport qui a développé avec Ariel Henry par exemple et les mal en haut par exemple bah ça fait que monsieur yo fâché en pile et attitude Léon pas pour moi trop correct c'est à dire non, c'est comme quoi, et mal dans OEA, je viens dans l'OEA pour me faire des nègres perdus du job. Or, mal dans OEA, pour maltraiter de bagailles qui est important. Sous question de justice, président Jovenel Moïse. Mm-hmm. Donc, Léon va pas supposé qu'il y a un problème avec ça. Si mal dans OEA, maltraité. Ça, c'est donc déjà dérangé. Non, Léon a été très dérangé. Oh, et c'est pas oublié que c'est président Jovenel Moïse qui nous montre. Et dernière réflexion pour faire, quittez Mélo, que si c'est question de justice qu'il y a brûlé, quittez Mélo, que nègre, yo yo et m'ta capable de dire rappelo. Vous comprenez? M'a comprendre le comportement de l'ambassadeur qui c'est un ambassadeur de PHTK et pour le bilatéral. Donc c'est différent, mais pour Léon, c'est chef police président Jovenel Moïse Gauthier, malgré de gain pile contrainte les a nommé au président Jovenel Moïse fait que ou vini ou retourner quand même et ou pas prendre pression sous base que Claude Joseph Allan OEA et pour l'allemand des justice et ou bien pour demander accompagnement et organisation hémisphérique là dans la question justice au président Jovenel Moïse. Donc et comportement ça a été décevoir et mais me comprendre ou qu'à comprendre ce rien qui besoin perdre job yo faut gagner un peu le courage là ça m'a questionné qualificatif côté bataillon bon diplomate est-ce que monsieur c'est parce que monsieur peut-être monsieur par contre monsieur qui doit son stratège il a de stratégie pour le gérer avec d'autres ambassadeurs. Mais bon diplomate, peut-être que... Attachement au job, parce que là bon diplomate pour ça. Non, là bon diplomate, là, il dit bon, pour n'importe quoi. Bon monde, bon diplomate, bon professeur, il dit ça, il dit, parce que c'est bon. Bon, pas le dit, l'autre bagage, c'est bon. Alors, il faut nous reconnaître mérite, même si on a fait des critiques sur le monde, il faut nous reconnaître mérite, ouais. Et moi, je crois que Léon et Mabdil, qu'il est un bon diplomate. Ouais. Bon, à tout ça le monde dit, monsieur Fem, monsieur. Tout ça le monde dit. Si ça a arrivé que l'attaché à un poste. Oh, oui, voilà, oui. Bon, écoutez. Donc, c'est pas. Ou pas commander tout le monde pour loyal. Par exemple, expérience m'a fait, et dans la question du président Jovenel Moïse, je ne pas foutre demander tout le monde pour loyal. Loyal à une cause. Et pas oublier, dans la diplomatie, c'est que tout le monde réactionnaire, d'ailleurs. Donc, c'est pas que tout le monde monde facile, loyal à une cause. Mm-hmm. Ouais, mais là, je parle de loyauté à une cause. Moi-même, moi, je crois que Jovenel Moïse est une cause. Il a bataillé contre la capture de l'État. Il a bataillé contre des oligarques. Moi, je crois que Jovenel Moïse est une cause. Je me suis embrassé. Ouais, mais je me suis demandé pour tout le monde, effectivement, gagner la même bien attitude. Ça. Mm-hmm. Et m'a félicité, diplomate, que Jovenel Moïse est nommé, soit des ambassadeurs, etc., qui toujours loyal avec cette cause, qui témoigne vous un gros coup de chapeau. Même si je connais que tu as posé ça causé des ennuis, même pas comme monsieur qui a un problème avec ça, pour un être dans le coup d'Orvilliers, par exemple. Docteur Dorvilliers. Dorvilliers, par exemple. Mm-hmm. Dorvilliers, lui, il est attaché à la cause de la justice pour le président Jovenel Moïse. Il est l'un des rares, d'ailleurs. Fritz Dorvilliers, un intellectuel, intéressant, mais qui a, je suis capable de dire, une colonne vertébrale. Monsieur qui a une colonne vertébrale, monsieur attaché à la cause de justice, malgré le non-job. Moi-même, par exemple, si j'ai besoin qu'un job moi, je vais parler de justice pour le président Jovenel Moïse. Automatiquement, tout ça m'a fait ces questions de justice. Moi, quand j'ai commencé à déplaire la primature, l'arrestation de Samy Randal, première fois, pour me faire dans des résolutions, pour mettre en clause sur la question de justice pour le président Jovenel Moïse. Fait ce que le général a dit, que tout autant Jovenel Moïse va une justice. Et question démocratie en Haïti, c'est un bail qui est très, on est capable de dire. Farfelu. Mm-hmm. Donc, et ça, c'est du bail, je ne connais pas, j'aime déplaire et au premier ministre à la primature et dans son ensemble. Mais on regarde Dr. Claude. Beaucoup de gens font une analyse objective. Maintenant,
de une situation précise. Jovenel Moïse mourit rapide, vite, ou assumé. Il y a des gens qui disent c'est où qui touillait le président Jovenel Moïse. Ouais. Ou pas premier ministre encore. Ils ont dit c'est Ariel Henry qui touillait Jovenel Moïse. Ensuite, ils ont dit que c'est Michel Martelly, parrain. Okay, mais, ou même sans comprendre de ça. Non, non, ça ne fait une différence. Et moi-même, t'es effectivement, tu as gagné un journal qui t'est sorti un article. Et en plein cœur de l'homme ministre. Et moi, pensais très probablement, et événement, vous allez montrer comme ça, que le journal là a gagné des informations qui n'est pas précises. Donc, il n'y a pas de capable de faire différence entre un premier ministre en fonction et un premier ministre, on est capable de dire, désigné. Donc, on parle de ça avec concordance des articles de New York Times et de Washington Post, qui pourraient dire que Badiou bayou de garantie, genre, on va dire ça, Badiou bayou de garantie que le premier ministre actuel, là, il y a un contact pas inquiété. Et là, on parlé de des mercenaires. Donc, il oublie ça. Donc, pas ça, même moi qui oublie lui. Pourquoi Badiou t'ai dit, il garantit que le premier ministre a géré tout le bagage. Le premier ministre a dit, il a fait quelques appels, etc. Justement. Et là, on gagne une situation qui est claire, on gagne une situation que, effectivement, mercenaires qui entrent dans le pays, et très probablement, ils ont gagné de garantie. C'est là qu'on va l'arrêter, ils ont gagné quoi le dire. Et le journal là, peut-être, pas qu'à faire différence entre moi-même qui est en fonction et le premier ministre désigné. Mais on va croire que je ne vais jamais parler de ça encore. Ce journal, actuellement, depuis lors, moi, dans la justice, parce que je me désomme, d'accord? Et le notice à ce caracol, je ne vais jamais parler de ça encore. Mais l'affaire de. Et c'est un amalgame, non, on dit ça. Je t'ai parlé de moi-même, je parlé de son amalgame. Okay. L'affaire du premier ministre actuel et Ariel Henry, si on va être très précis, qui est documenté, bien documenté, c'est pas des étrangers qui documentent, c'est DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, dans un gros rapport que ont fait, qui montre que le premier ministre là, il parle avec Badiou au moins deux fois dans le jour président mouri, dans un moment. Et Badiou, tu es dans les environnements côté président dans le moment ça. Ça, c'est un extrêmement précis. Les gens qui ont fait amalgame ça, c'est des gens qui ont tenté et qui sont capables d'aider Ariel Henry. Maintenant, c'est le juge d'instruction même, Voile Soti, qui dit. Gary Aurélien. Yeah. Qui dit que Ariel Henry impliqué jusqu'au cou. Ce n'est pas l'autre monde qui dit, c'est le juge là. Par exemple, quelqu'un qui peut être plainte pour lui, pour lui arrêter, monsieur, pour lui venir raconter, ça le connaît. L'autre, je te dis, tu n'as pas arrêté Ariel, etc. L'autre aspect. Il n'y a pas de plainte pour lui. L'autre aspect important, merci. L'autre aspect important, c'est des enquêtes que CNN, New York Times fait. Et là, on parle de gros journal aux États-Unis. Si nous consacrons l'affaire Watergate aux États-Unis, c'est Mounsaïo qui est pas le forcé de président démissionner. Ça veut dire que Mounsaïo pas fait n'importe quoi, pas parler d'un journal en ligne, etc. Non. Donc, ça veut dire que c'est l'implication présumée, n'est-ce pas, du PM Ariel Henry est bien documentée. C'est pas en question qu'on grain journal qui était là, qui dit un bagage, une fois, etc. Au campé. Moi-même, effectivement, au campé, parce que moins. Après, je finis par ces 10 ans de homme là, même figure, mon guérilla, Badiou, Mbakone, par exemple. Donc, ça veut dire que, pas grand jon ka fouye dans bagay ça, effectivement, je n'ai pas le droit de faire erreur, pour ta ka oué, et Claude de parler avec un grain de monde qui était dans l'assassinat, etc. Vous comprenez? Donc, ça, c'est fondamental. Donc, pour nous ne pas faire amalgame ça encore. Moi-même, et je pense que, moi-même, je voulais étirer le focus sur la question Ariel. Parce que je pense que Ariel est très provisoire. Il est important pour nous étirer le focus. Parce que tôt ou tard, Ariel est pour répondre à la question de la justice. Et tôt ou tard, qu'on y a comme premier ministre à faire obstruction à la justice, il n'y a pas toujours faire obstruction à la justice. Donc tôt ou tard, lumière a blahi sur la question ça. Et tout autant, moi-même, moi, l'âme existait, lumière a blahi sur les questions de justice là. Pour le président Jovenel Moïse, on a compris ce qui s'est passé.
n'a pas connu pour qui ça a tué le président, n'a pas connu qui est-ce qui bénéficie de ça, etc. etc. Donc ça, moi, c'est... Est-ce que tu connais que... ou pas de gens pensent que Ariel Henry n'est pas trop toléré ou l'équipe n'est pas trop toléré ou... Est-ce que tu es au courant ou pas au courant? Non, moi-même, écoutez, et ça n'est pas important pour moi. Je suis un homme d'État, je suis premier ministre, je suis ministre des Affaires étrangères, je suis chargé d'affaires. Donc, je ne sais pas pour moi chercher qu'on est sur le monde toléré, je ne suis pas toléré. Je fais travail. Est-ce que vous comprenez? Je fais travail. Moi. Donc, je n'ai pas besoin, écoutez, moi, je n'ai pas oublié que je passe en douceur en pouvoir avec Ariel Henry pour éviter de conflits, de problèmes, de crises. Dans le pays. Mais ça veut dire que ouais, c'est pas important pour moi, okay. Pour me déconner. Très souvent, le commun des mortels parlait que des grands de haïtiens, mm-hmm. généralement autorités en Haïti, qui n'ont jamais accepté que gain un mot pour utiliser, qui est les démissions. Yeah. Et en fait, ou même, ou quitter Ariel Henry, révoquer ou. Ça qui passe, qui fait qu'on pas démissionner et ou quitter ces révocations qui ça qui passe. Non. Alors et ça monde doit comprendre c'est que moi j'ai une mission et mission PAM c'était question justice pour président Jovenel Moïse et moi connais et que moi t'as écarté dans le gouvernement quand même parce que moi j'étais un emmerdeur, un monde qui a troublé le sommeil de monde en abaya. Donc, c'est un complot et qui gagnait en dimension transversale. C'est-à-dire que c'était une démission forcée. Et pas une démission forcée, non. C'était obligé à écarter. Non. Parce que moi, je dis que si je devais arrêter mon comportement, que je devais gagner. Comportement okay. Donc, démener ou là même. Oui, c'est un comportement de silence. Vous comprenez? Et si je devais un job, si je suis un jobiste, par exemple, et je suis Ariel m'a dit la banque ou ambassade. Moi, je dis, monsieur, écoutez, je ne suis pas un jobiste. Nous sommes qui croient dans la responsabilité. Et responsabilité, c'est justice pour le président Jovenel Moïse. Dans le gouvernement, pas dans le gouvernement, c'est ça m'a fait. Et puis, monsieur dit, quoi, écoutez, donc, sécurité est important pour lui en pile. Comme je dis ça là déjà, c'est pas de bail qui est de révision. Mais ça veut dire que je ne suis pas attaché à un job. Contrairement avec deux nègres qui finissent ministre des Affaires étrangères, qui a l'ambassadeur, etc., qui c'est des jobistes. Moi-même, je ne suis pas un jobiste. Et moi pas quoi dans une question de job, moi j'ai des valeurs que moi-même moi épousé, ouais, qui c'est eux même moi c'est qui a fait chemin moi. Oui, Claude, écoutez, et moi dis que pays a constaté en tout cas, généralement en Haïti et peut-être ça capable dans notre pays tout. On monde qui se fin premier ministre, il rentre là cali tranquillement, autant dit rarement. Mais dit, généralement, et peut-être même si on a un monde qui fait partie de l'exception. Mais moi, on doit quitter un sept ministre, il rentre tranquillement. Mais il y a tout environ, il y a tout en tournée. Et sous table, il y a des tournées constantes qu'on a fait à travers le pays. On a fait une conférence. Peut-être ça, ce n'est pas de pratique, on a dit, et comme on a dit là, donc, dans pile l'autre premier ministre qui fait dans le pays. Question, peut-être pour. Expliquer à l'université, à des jeunes expérientiaux. Maintenant, est-ce que tous les ports là, c'est pour expliquer à des jeunes expérientiaux? Parce que ça capable permettre qu'ils mieux comprennent sa qualité pays ou expérientiaux. Est-ce que tant que Jean Pile Moun Bancel, c'est pour ta vie successeur du président Jovenel Moïse, ou du moins, c'est ou nos combats politiques, nos luttes politiques, pour comment objectif ou bien là, pour président Jovenel joindre justice là, ou à travail, pour prendre pouvoir, et me dire ou même à toute équipe ou, pour justement justice ça, les vignes sont revendications effectives. Bon écoutez, moi-même, moi fonctionné beaucoup de président Jovenel Moïse. Je sais, on a qui a un pile courage. D'ailleurs, moi, je crois que monsieur contaminé. C'est on qui était déjà très, très proactif, très dynamique. On était déjà comme ça déjà. Mais l'invité du président Jovenel Moïse, mon cher, monsieur, sont passionnés. C'est vraiment passionné du pays. Et moi, je pensais que monsieur vient nous contaminer avec courage. Et c'est ça que fait, malgré pression,
c'est pas parce que m'a gagne des pressions sur la vie, m'a gagne en pile pression. Gagne en pile pression. C'est mon deuxième marché dans pays a expliqué jeune yo, l'important pour engager, important pour engager dans politique, important pour engager dans l'état, yo capable faire différence même si héritage yo extrêmement lourd. Héritage et pour diriger un pays ça est extrêmement lourd. Et moi ouais, yo, pendant ce crasse temps je passé comme premier ministre à l'intérim. Héritage, il y a lourd en pile pour changer de bagaille. Mais c'est dit des jeunes, écoutez, moi-même, moi essayé. Et il y a une seule façon pour ne pas jamais faire erreur, et c'est ça que je dis, jeune, dans tout le pays, seule façon pour ne pas jamais faire erreur, c'est essayer. Ce n'est pas essayer. De vous pas essayer, vous ne pas faire erreur. Mais de vous essayer, vous allez dans l'état, vous êtes satisfait, vous avez une satisfaction, etc. Mais qu'on y a. Il y a deux choix au monde capable de faire. Ou capable de choisir pas jamais essayer, mais rester à parler de monde qui essaye mal. Dire, ah, monsieur, allant dans l'État, monsieur, allant faire des bagages, mais monsieur, échoué là, etc. Et, ou bien, ou font choix à l'essayer, peut-être pour faire une petite différence. Moi-même, quoi que je fais ça dans le ministère des Affaires étrangères, une différence, et ce n'est pas sans raison. Pour la première fois, hein, il y a des gens qui vivent en réalité comme ça, un ministre qui a sorti dans un ministère pour les ovationner par le ministère. Petit cadio, petit personnel là, cadio, etc. Ah, mais quel problème, je dis. Quel problème? Comment comprendre que le concours qui t'est fait, vous nommez un ensemble de jeunes, que vous avez compétence ou pas? Que vous n'avez pas de compétence, enfin, que vous avez de compétence ou pas, que vous êtes sorti dans le concours, depuis c'est Claude Joseph qui démettait, vous avez râlé, vous avez rappelé. Et par exemple, ambassade de Washington, il y a deux graines, vous avez rappelé là, qui sont deux fonctionnaires, vous avez deux seulement, fonctionnaires de ministère là. Maintenant, l'heure va prendre une nouvelle zone. Ça, du qui ça de diplomatie haïtienne, là, il y a quel avenir? Ben moi, focus seulement sur David Célestin. Et qui t'a participé dans le concours, qui t'a lauréat, me songe déjà que ça a été fait. Et t'as gagné d'abord directeur, direction, yo a choisi deux mouns. Et puis, deux mouns, ça a eu, dans chaque direction, yo vin, pas rappeler moi combien, et puis, yo pral, ou bien trois, yo t'a choisi trois, chaque direction, yo pral passer dans le concours, tient lieu de grand oral, on dit comme ça. Et moun sa yo pral choisi ce ministère là et la direction générale moun qui était dans cabinet par exemple qui je dis à chef cabinet et ministre qui là mais qui était dans cabinet qui était représenté dans cabinet dans concours ça qui actuel chef cabinet et le ministre qui est là pour na ka David Célestin hein, qui sont lauréat qui ont révoqué le connia un lauréat un jeune garçon lauréat et moi tout simplement quoi son erreur. Moi, je crois que si Ariel Henry te connaît, c'était un jeune qui participait dans le concours, parce que nous parlons de ça. Moi, je connais que Ariel exprimait qu'il très appréciait ça. Ouais, moi, je crois que c'est une erreur. Après, on peut rappeler tout l'autre monde. Il y a quand même des raisons pour rappeler deux monde. Et deux ambassadeurs que Jovenel Moïse n'ont même pas arrêté, que Jovenel Moïse est très apprécié. On peut rappeler, c'est normal. C'est une nouvelle équipe qui doit gagner. Une nouvelle politique diplomatique. Et moi pas forcément ouais comme un chasse aux sorcières. Maintenant, et si vous voulez faire comme ça, ces affaires pas c'est des jeunes gain là-dedans qui gagne 30 ans. Ouais, gain qui gagne 27 ans qui était directrice en dans ministère de direction par exemple, gain qui gagne 33 mais moins vraiment moins que 35 ans. Maintenant, si vous choisissez d'entrer dans une bataille contre les jeunes, là, c'est vous qui a fait choix ça. Parce que l'espérance de vie, et reste où vous vivez en pile. Ouais. Et de toute façon, vous même vous pas dû entrer dans une politique revancharde, n'est-ce pas, contre aucun pouvoir. Et là, vous même eu une chance pour ce pouvoir. Moi, vraiment pensé que, dans le cas de David Célestin, c'est une erreur. C'est un camarade pour vous aussi. Qui est-ce? David. Non, David Célestin, c'est un jeune. C'est un jeune. 34 dans le groupe et environ 40 qui passaient dans le concours. Non, moi, de qui est-ce que vous parlez? Vous connaissez, monsieur? C'est de camarade de promotion. Ah, ok, voilà. Moi, je ne connais pas. L'avantage qui est, c'est que, un, je ne connais pas. Je ne connais pas qui est-ce là-dedans. Ok? Et même, je connais que tu as environ 40 jeunes
qui passe dans le concours, qui a le palais national, président, il y a une lettre d'affectation, yo, n'est-ce pas, en un palais national, on ne sait pas qu'il y a un parrain, il n'y a pas de marraine, il n'y a pas de sénateur derrière. Yo. C'est pour la première fois dans la diplomatie, où il y a environ 40 jeunes qui quittent le ministère des Affaires étrangères, sans qu'il y ait un parrain marraine, et puis il y a servi le pays ailleurs, il y a servi le pays dans le service externe dans la diplomatie. C'est la première fois. Et yon nan lauréat yo, Jean Mdoula, yo révoqué. Moi crois que c'est une erreur qui fait dans le cas David Célestin en particulier. Moi pas vle quoi son chasse aux sorcières. Moi crois que si le premier ministre qui est là et qui a dirigé le gouvernement en place là, s'il te connaît, il pas ta faire appel ça. C'est ça m'vle parce que moi crois que politique la gen éthique là dans tout. Moi pas croire m'ka écrit comme ça, penser que premier ministre va dit parce que concours a été fait sur Jovenel Moïse avec Claude, bon vous voyez jeune aller, moi pas quoi ça. Donc moi crois que son erreur qui fait et que yo te met rappeler tout le monde mes 34 jeunes ça yo qui a la diplomatie sous base concours, yo pas rappeler yo, yo pas révoquer yo. Si yo gagne d'ailleurs pour gagne 2 ans. Si yo vient 3 4 ans, c'est normal. Rotation même c'est une pratique diplomatique liée transfert rappel et etc. c'est normal un jeune ça pour gagner pour gagner et 2 ans donc gagne pour gagner 1 an et demi donc en tout cas là nous comprenons on a la République dominicaine parce que et non seulement pour tes mouvements qui sont Jovenel Moïse qui ont comme un cap défendre Jovenel l'autre Jovenel ou son successeur mais tu as le Wally nous question ça parce faut qu'on va au clair hein faut dire vérité maintenant République dominicaine, chasse aux sorcières, il y a chassé haïtiens. Et de temps en temps, ou intervenu, et il y a comme un peu le monde parlé avec Claude Joseph dans la République dominicaine, même si il y a un monde qui veut le tout. Maintenant, il y a un même, l'entendre ça, et qui ça, ça dit où, et qui sont connus en plus que nous-mêmes, nous ne connaissons pas de ça qui a passé en République dominicaine. Bon, moi, je pense qu'un pays n'a pas construit une identité de peuple. Et sous raïssement haïtien. Et moi, je crois que gagner un anti-haïtianisme, un racisme systémique contre haïtien qui est très prononcé en République dominicaine, et la CAI, par exemple, ultranationaliste, yo, et le gouvernement qui a cédé à la pression ultranationaliste. Yo. Et moi, je crois que moi-même, par exemple, je travaille pour de bonnes relations entre Haïti et République dominicaine. Et jusqu'à maintenant, moi, je crois que Haïti avec République dominicaine doit gagner de très, très bonnes vives. Moi, je crois que faut que nous dénoncions. Et moi-même, moi, je prends décision pour me dénoncer. Moi, je prends décision, par exemple, et c'est pas pendant le ministre, il faut que tout le monde songe ça. C'est pas pendant le ministre encore. C'est depuis l'homme des ministres. Hein? Mal en République dominicaine et une n'a été marqué passage mais au point que ultranationaliste pendant le ministre des Affaires étrangères en 2020 ultranationaliste demandé pour déclarer une personne non grata pendant le ministre des Affaires étrangères c'était dit dans de rencontres officielles la presse il y a plusieurs articles qui sont sur la République dominicaine et en Haïti d'ailleurs que faut que officiel suspende parler Haïti à haïtien mal dans discours officiel yo. Et c'est-à-dire que ça aurait l'air de narratif négatif sur Haïtien et Haïti. Donc, il faut que suspende avec Baïsaïo. Donc, je dis ça en République dominicaine, Baïsaïo a fait un tollé au point que l'internationaliste a demandé pour moi de ne pas traiter en République dominicaine. Je me suis occupé de faire 2 semaines en République dominicaine, marcher dans le consulat, garder le personnel, etc. etc. Et je dis ça non seulement dans le compte, mais je dis ça de face à face. Avec Abinadel, dans le palais même, que là où j'ai été reçu dans le palais, pour me dire voilà, même position. Donc, et je dis à ce qui a passé One Bosch, là, par exemple, moi, je crois que c'est indésirable. Haïtien, au travail, il y a demandé salaire, yo, ou vini, bon, effectivement, il y a manifesté. Donc, maintenant qu'on y a, il y a entré la caïmounio, ouais, fait de. Comme si vraiment persécuté mounio, stressé mounio, traumatiser mon yo courir derrière dans toute la rue et haïtien yo moi crois que et c'est des violations graves et de droits humains et moi t'ai pensé que faut m'attirer attention communauté internationale là sous abus ça yo qui a fait en République dominicaine donc c'est une bataille que moi c'est pas pendant mon pas ministre encore contrairement avec deux monde qui peut-être suivre moi connait mais c'est depuis l'aime des ministres
moi j'ai des positions comme ça. Et à un point que et tu commencé à gagner, on était capable de dire entre République dominicaine et moi-même ou bien ministre des Affaires étrangères là, de petites tensions. Mm-hmm. Et intervention de ministre des Affaires étrangères sur la question de massacre là. Mm-hmm. Et parce que moi, je crois que il n'y a pas de droit à faire une injonction pour nous camper travail, pas nous, prise que nous prenons. Mm-hmm. Alors que même nous prenons 11 prises isolées, bah, ça a commencé à faire. On était capable de dire autorité dominicaine, il y a un petit problème. Mm-hmm. Et, avec et pour les États-Unis, ou une réaction par rapport à la déportation massive? Bien sûr, je suis en confidence. Et bon, comme tout le monde attend là, et le ministre des Affaires étrangères, je me oublie qui est-ce qui était responsable de la question hémisphérique, c'est comme son génome, je dis nous là. Mm-hmm. Et ministre des Affaires étrangères, et dans un moment difficile COVID, et qu'il y a pris les moyens pour le ministère des Affaires étrangères, bail, autorisation, et pour déporter le monde. Moi, je dis non, moment pas propice. Maintenant qu'on y a, c'est avec responsable de l'émission qui a parlé à ce moment, les monsieur qui ont campé, ils n'ont pas d'accord, ils passent par joute. Et c'est joute qui parle. Définitivement, c'est la primature qui va régler la question. Or, c'est nous-mêmes qui devons régler. Alors, ça, c'est une histoire. Et à raconter, peut-être que je ne dis pas, c'est une fois que je dis, mais moi, pas de jamais d'accord avec la question de déportation en masse. Moi, pas qu'à camper face avec deux pays qui voulaient organiser la question d'immigration. Ça, c'est fondamental. Même pour la République dominicaine, c'est important pour le pays à gagner contrôle. Il faut que l'autorité ait un contrôle du pays en matière de migration, de souveraineté. Mm-hmm. Maintenant, moi, toujours, quoi, qu'on change sa fête entre les amis. Par exemple, dans la situation que nous y là, nous n'avons pas capable de recevoir, ou NTI dans la COVID là, nous n'avons pas de cas recevoir. C'est ça qui fait dossier, ça parle désormais déplacé du ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, mm-hmm. pour l'aller en primature. Parce que j'ai été, quelque part, je concevoir comme un rebelle. Qui a une capacité pour dire non. Et même si la côté me job, moi. Et là, je me dis que je t'ai cédé à pression, c'est pas ça que je dis. Mais je me dis que le dossier définitivement déplacé du ministère des Affaires étrangères, là, il est en primature et primature pour le régler. Parce que chaque fois, et autorité aurait les moins, moi, toujours gagné, on met. Écoutez, donc, c'est pas le moment. Est-ce que nous sommes capables de prendre? Donc, et vous comprendre dynamique. En tout cas, c'est pas l'autre. C'est le baron, ni l'autre. C'est ou bien c'est la pression, c'est ou bien les. En tout cas, c'est pas ça me dit, mais moi, je dis que le dossier, parce que moi-même, j'ai fait tête, le dossier a été déplacé, beaucoup de temps là, pour l'aller. Mais t'as semblé qu'il y a plusieurs incidents, parce que moi, après que. Non, même parce qu'on a parlé des incidents. Enfin, on dit non, parce que vous devez vous dire oui, et finalement, vous déplacez le dossier à la veille de la primature. M'apprenne tout et gagne en forme de. Bon, par contre, si m'ta carré, ça clash entre ou même l'autre ministre des Affaires étrangères et un ambassadeur français. Qui ça y est exactement, si ça existe vraiment? Oui, effectivement. T'es gagné plusieurs incidents. Et moi, songe que l'ambassadeur français a fait des déclarations sous question élection dans le pays. Moi, convoqué monsieur dans le bureau. Monsieur Dimni Jacques Mel, l'Ipapkavi, me dit que. Quel que soit l'élia, moi-même, dans le bureau, je dis à Olivier Vigne. Donc, effectivement, monsieur Rivière à 6 heures. Généralement, je quitte le bureau, c'est 8 heures, c'est pas grave. Monsieur Vigne à 6 heures, et puis il me dit, monsieur, écoutez, ambassadeur, nous avons la CAIO, pas qu'à faire déclaration ça. Pour qu'il soit prendre le malin plaisir pour faire des déclarations sous des questions de souveraineté nationale. Monsieur dit, bon, etc., c'est pas dans ce sens-là. Mais l'ambassadeur, monsieur, commence à rougir parce qu'il m'a pas là, mais il m'a regardé dans les yeux, il m'a regardé dans les yeux. Et puis, monsieur, pour m'a capable de dire, et je connais pas ça pour le faire, monsieur, fâché en pile. Mm-hmm. Monsieur, pour aller, l'ambassadeur, nous gagnons, et pas nous, qui, en français, pour le dire que, il pensait que, attitude, moi, par rapport, il m'a déclaré le personnel non gata. Et bon, t'es rassuré, monsieur, il me dit, monsieur, non. Ce n'est pas que je déclare au personnel non grata, je ne vais pas faire le président, mais je suis obligé de comporter. Et je ne vais pas le comporter. Mais le président Moïse, il n'a pas oublié que la France a un gros problème avec Jovenel Moïse, mais particulièrement des questions d'intérêt. Et le président Moïse, je ne vais pas le prendre en revanche par rapport à moi.
Et là, ça m'a reclassé, monsieur, encore. Si on rencontre que quoi groupe l'a fait, et t'es gagné, madame Lalim qui était chita dans mi-temps, et le ministre, et le premier ministre désigné qui chita, moi-même, avec le chita, parce que même côté, mais Lalim, madame Lalim séparé nous. Et puis, monsieur, pour aller faire des déclarations pour montrer que c'est Ariel qui supposait là, etc. Et la France est de considération. Je me dis, monsieur, écoutez, monsieur dit, monsieur, est-ce que sa déclaration, ça vous fait là, c'est une déclaration ou même personnellement, ou bien c'est pays où? C'est la position de la France. Monsieur, c'est la position de la France. Monsieur dit, c'est la position de la France. Monsieur dit, c'est pas la position du peuple haïtien. Et me dit, monsieur, faut qu'on campe avec Henouan. Ou pas de problème, mais Jovenel, elle est là. Et nous avons tout ça, et nous te qu'on a fait. Mais Jovenel mourit qu'on y a. Il faut cesser. Il faut stopper cette affaire. Et mon chef était vraiment classé, monsieur. Et moi, je connais que c'était bon moment pour monsieur de prendre revanche, parce que tu as gagné un vide de pouvoir. Yeah. Et monsieur parle plus à l'aise, effectivement, avec Ariel, n'est-ce pas, que moi-même. Parce que d'ailleurs, tu continues, tu es bien moins. Les nègres de la France, mais particulièrement l'ambassade de ça, m'a pas besoin de dire qui, non, mais c'est au nom de rebelles, on est qui rebelles, etc., et un peu arrogant. Donc, je dis, maintenant, si c'est des étrangers qui disent arrogant, qu'on est libre. Parce que, étrangers, on ne peut pas comprendre qu'on est nègre noir, etc., et pour la plupart, camper devant, on ne peut pas faire ça, non pas d'accord avec vous. Et fort heureusement, tu as un président qui était un rebelle, Jovenel Moïse. Donc, les Jovenel Moïse au courant de l'incident, ça a eu. Monsieur supportait ma 100%. Contrairement avec la position et que me déprend et par rapport à la République Dominicaine, Ariel Henry t'a pas le fond, émissaire, qui va maîtriser le dossier, etc., qui allait et pour demander pardon, va oublier, non? Il me fait une bonne position par rapport à la République Dominicaine. Vous me dites que c'est vrai, Haïti a une sécurité, mais la République Dominicaine charge une sécurité. À rappeler que peu haïtien, enfin, la grande majorité, c'était censé d'accord. D'accord avec. Mais Ariel voyait un émissaire pour demander pardon, Dominicain, pardon. Et effectivement, il est ça, Dominicain, tout, pour faire des injonctions, par exemple, pour être confortable, pour me battre dans le gouvernement, etc. etc. Donc, pour moi-même, je pense que il y a des gens qui ne connaissent pas mes positions. Et comme des historiens qui ont écrit ça, comme des historiens qui sont là, qui ont des archives, et les historiens sont patients. Moi-même, particulièrement, je suis patient. Et de l'homme, on a dit que est-ce que c'est une politique étrangère de poids, de mesure? Non. Moi-même, je suis toujours campé face à tout ça qui est intolérable. Que, de... Parce que je n'ai pas imaginé, par exemple, notre ambassadeur qui est en France, qui a pris des positions sur des questions de souveraineté de la France. Il va prendre chance. M'baka comprendre que la France qui permet lui-même n'importe quel moment pour le faire et pas la France seulement, n'importe quel pays. Bon, on rencontre sous sinon Claude Joseph bon parti politique ou partout et ailleurs dans tout département rock marché quand on va aller ça qui passe moi la veille c'est ça qui passe comme de son nouvelle passion que moi développé passion par la paysan yo parce que et bien écouter moi rivé ou est mon tellement vrai sincère et franc avec vous. Ouais, donc ou chita. Par exemple, mal dans la deuxième section communale, Mamon, Inch, moi chita en bon mango, on a parlé avec paysan yo. On te sentit bien parce que moi-même, j'ai une qui levait dans l'habitation, tout, ouais, une habitation, j'en là. Donc ça veut dire que moi comprendre ça. Donc, sous question ça, moi, quoi que. Donc, vous comprenez parti politique? Et. Bah alors! Li extrêmement. Non, parce que si. Si vous avez de nous comprendre, 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 si en harmonie avec ses ministres. Bon, quand on dit où est débat, mais c'est oui, mais qui parfois est le. Oui, oui, oui. Donc, quand est non, ça arrive, mais non, il reste un bon flâneur, il reste un homme du sang, on est qui est couille. C'est qui est l'estomac, c'est gardé, c'est ça, bien. Non, on est à ce niveau, on est dans l'État. C'est. Bon, on est de l'État.
On ouais. prend le sens oui. et de l'État, ok yeah. Bien. Donc yeah. voilà. Mais après, on va se battre. Ce sont des jambes, ce sont des on voit qui se bat. Bon, son garçon, son garçon, voilà. PM, est-ce que... Est-ce que vous gagnez au parti politique? Bon, écoutez. Ça qui a passé, c'est qui s'allie. Est-ce que Claude Joseph sont candidats à la présidence? Ou bien pour supporter au candidat à la présidence. Bon, pour moi, Mabdoum, nous sommes qui une caractéristique, ils sont capables de l'économie, une ressource rare en politique, c'est loyauté. Moi-même, je suis très loyal. Je suis loyal à l'équipe que je suis là-dedans. Ça veut dire qu'équipe jeune garçon, équipe jeune femme, et je suis loyal à la cause président. Et le monde qui a porté la cause président mieux, c'est lui-même qui a supporté. Et moi, pas un monde qui est fou, qui croit que. Vous êtes porteur de la cause du président. Et vous non, mais tout comme sa femme, tout comme certains alliés et du président Moïse, il y a des gens qui ne attendent pas, mais qui vraiment portent à cœur et le dossier de justice ou pas attendent pas, et du président. Il n'y a pas de non? Donc, mais bon, écoutez, je veux dire, on ne peut pas dire, madame, président, pas porter dossier et justice, président, et puis de l'autre dossier. De... Est-ce que vous voulez dire en clair que votre équipe ouais, va supporter la dame du président? Non, écoutez, moi-même, Mamdou, ça qui est important, et je veux dire, moi, quoi que tout le monde soit au focus, c'est question de justice pour le président Jovenel Moïse. Maintenant, il y a une dimension politique là-dedans, effectivement, parce que le blocage qui vient dans la question de justice, c'est un blocage politique. C'est le premier ministre actuel qui bloquait la question d'enquête là. Maintenant, si c'est politiquement pour nous débloquer, donc c'est organiser nous pour nous débloquer politiquement. Pour nous débloquer politiquement. Mais nous connaissons, par exemple, les manœuvres qu'il a faites, par exemple, jeudi, pour barrer toute alternative viable. Mais et moi, je crois que c'est le peuple-là qui gagne le dernier mot. Donc, en résumé, PM n'a pas successeur, président Jovenel. C'est peut-être sa femme. En fait, il y a quelqu'un qui voit comme l'autre Jovenel Moïse, parce qu'il dit, ça Jovenel Moïse t'a dit, oligarque corrompu, il faut que ça change. Il voit à Potel. Et on dit au bagaille parce que la couleur verte ça sous là, yo a BD par ci par là. Maintenant, est-ce que à un moment donné et si le besoin se fait sentir, cause que vous attachez avec le défendre là, s'il met au en situation et que c'est ou même ou bien c'est au membre dans l'équipe qui doit porter cause Jovenel Moïse là, est-ce que vous décidez pour aider ça me capable de dire parce que moi vous connaissez le journaliste il va chercher pas voilà où je mets mais ça me donne même dire campagne et Val je dis à gagner une nécessité pour gagner un autre projet de société avec des monde qui essayaient qui probablement pas satisfait totalement mais qui essayaient mais qui fait des différences. Ou pas qu'à prendre des amateurs, je dis, parce que l'État, nous avons une urgence, nous pas qu'à entrer dans l'État avec des amateurs. Mm-hmm. Donc nous avons besoin de monde qui est capable, qui comprenne, qui a une dimension des enjeux. Et moi, quoi que je dis, c'est fondamental pour nous réfléchir ensemble. Moi, quoi que ces réflexions ensemble, non, qui pourra accrocher un bagage. C'est ça que fait en Haïti, pas gagner des partis politiques, gagner des hommes partis pour la plupart, gagner quelques partis politiques. Mais c'est des hommes partis. Nèg la candidat à la présidence, si mouton parti politique, il fait tout le monde marcher derrière elle. Pas gagner des conditions d'émergence en un parti politique. Yo, pour jeunes garçons et jeunes femmes, émerger pour des leaders tout. Ils viennent des véritables suiveurs et par contre, ça a passé. Donc après que, ici, son pays gagne pile organisation à but non lucratif, c'est marron, il y a marron. Organisation politique yo. Parce que en dans organisation politique yo, qui t'a dû animer la vie politique en société, pas gagne des conditions d'émergence, je ne vais pas rentrer là-dedans. Yo. Leadership, c'est des leadership personnel et personnalisé, individuel, individualisé. Donc, moun yo maron. Donc, ou besoin d'un véritable parti politique côté effectivement son leadership collectif qui gagne. Donc, et à ce niveau, évidemment, moi-même, avec un pile de jeunes garçons et jeunes femmes, réfléchir ensemble pour nous garder qui ça nous capable comme nouvelle structure ça arrive PM non même pas parler de structure
moi je dois réfléchir ensemble. Comment le carré PM? Bon, en tout cas, on allait. Si c'est pour aider PM, s'ouvre l'aider, aide. Bon, maintenant, aidez-moi à l'aider. En fait, je pose des questions. Vous montrez que l'essentiel, ce n'est pas d'être candidat. Non, du tout. Vous montrez que moment par moment pour engager ou pour soutenir un candidat, parce que ce n'est pas ça qui vient là. Mais qui troisième possibilité qui existe si une élection qui a fait demain? Eh bien, premièrement, ça me doit dire, c'est que Ariel Henry passe à organiser l'élection. D'ailleurs, les gens ont un langage élection, les gens ont de l'autre monde qui a parlé de l'autre bagaille. Donc, Ariel Henry croit que le mandat présidentiel. Donc, il passe à organiser l'élection. Mm-hmm. Et là, ça, il faut que nous questionnions la montée vertigineuse de sécurité dans le pays, kidnapping. Après le président Jovenel Moïse, il y a pile kidnapping, l'insécurité a vint augmenter, et l'insécurité a c'est une excuse pour ne pas organiser l'élection. Donc, il faut nous demander nous, à qui profite, n'est-ce pas, l'insécurité dans le pays? À qui profite l'insécurité? Donc, moi, je crois que les profiter à l'équipe en place là, qui croit que la sécurité est net pour ne pas jamais organiser l'élection, donc, pour ne pas avoir le peuple la possibilité pour le choisir. Parce que le peuple haïtien, les bouquets, les vlés, les mêmes pour les choisir, ils sont prêts pour les choisir de monde qui vont diriger. Donc, moi, quoi que je dis à ça qu'a fait là, effectivement, c'est pour Ariel Henry, pas jamais organiser l'élection, mettre des dispositifs en place pour l'élection, pas jamais possible. Okay. Ou du moins, parlons parole que l'élection, pas possible. Ok. Je dis, hein, présence PM Claude, li, vous souhaitez annoncer que vous décidez d'échanger avec un pile monde dans le pays. Hein? Est-ce que les journalistes de cœur, mon qui exprime publiquement, mon qui pas dit ça ou pensez tout, mais qui kembil, qui dit Jovenel Moïse assassiné parce que il était besoin de casser un système, peut-être stratégie il était utilisé au pas de bon. Maintenant, ou rivé un côté ou a défendre cause. Et Jovenel Moïse dit faut que tout le monde ait même rôle dans la société. Kounia, qui possibilité selon même qui existait pour que ou même ou bien l'autre monde dans l'équipe ou bien toute équipe ou qu'a transformé les jovenelistes en électorat? Qui possibilité qui gagne? Bon, alors et gagnant yon well on dans l'ouest mais particulièrement dans Port-au-Prince aux victimes de cotoplasia, peut-être son syndrome syndrome de son confort ou bien de cotoplasia, ou on n'y a pas arrivé à comprendre à quel niveau président Jovenel Moïse est aimé même après sa mort, et mais particulièrement après sa mort. Mm-hmm. Donc dans tout pays là. Et moi je crois que gagner en pile jovenelistes, même si on pas relé tête comme ça, c'est des monde qui étaient moins alba en masse, par exemple. Moi, ouais, c'est un phénomène. Hein? Mm-hmm. C'est un phénomène. J'ai mon nom parlé de président Jovenel Moïse. Il y a des monde qui cap dit que seul ça a été souhaité, c'est pour te marier président Jovenel Moïse une fois seulement. Mm-hmm. Moi, j'ai rencontré plusieurs monde qui cap dit même bagaille là. Et moi, je voulais féliciter, remercier, accueil que nous recevons à Bahamas, c'est bon qui t'a aidé nous dans payer billets d'avion, etc. Dans Bahamas, c'est bon qui aide nous dans la question hôtel, etc. C'est un bail extraordinaire, façon que vous avez accueilli nous dans Bahamas, c'est façon que vous avez aidé nous tout. Et ça, c'est le fondamental. J'aime de là gagner. Gagne en pile journaliste dans le pays. Gagne en pile monde qui te remet président Jovenel Moïse et qui toujours remet. Gagne en pile monde qui attaché à la cause du président Jovenel Moïse et qui croit que monsieur tape défendre nos bagailles. Et là, moi, monsieur même expliqué, c'est parce que monsieur était en porte à faux avec un système corrompu qui établit plus col dans Port-au-Prince